vidéo aujourd'hui et du coup cette fois-ci je vous retrouve pour une vidéo produit terminé. Alors c'est la toute première que je fais sur ma chaîne, donc voilà, j'ai accumulé quelques produits parce qu'à la base j'ai horreur de garder des flacons vides, des trucs qui traînent, donc du coup cette fois-ci je me suis dit ce serait pas mal de tester un petit peu, ça peut changer. Que j'ai terminé de la marque Jewel Candle. Donc la première c'est la True Love. Donc voilà, donc vous savez à quel point j'adore ces bougies. D'ailleurs j'en ai commandé deux là, elles arrivent demain, donc j'ai vraiment hâte. Et ensuite celle-ci, la Tropical Peach. Franchement celle-ci c'est un vrai coup de cœur, c'est celle que je préfère. En plus pour l'été elle est vraiment au top, donc si vous voulez une bougie en fait pour l'été je vous conseille vraiment celle-ci, Tropical Peach, elle sent vraiment trop bon. Donc celle-ci du coup j'aimais bien, mais c'était pas un coup de cœur, je la rachèterai pas au niveau de l'odeur. Et celle à la pêche, oui je la rachèterai sans hésiter. Donc voilà, ensuite au niveau des produits, donc j'ai terminé une crème de chez Rituals, donc c'était l'édition limitée de l'été dernier, la Ritual of Karma, donc voilà, et celle-ci, franchement l'odeur, mais franchement j'adore. C'est comme je vous disais déjà, je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, ça a un peu une odeur de, comment dire, de Nivea, un petit peu, mais en fait c'est marqué que c'est au lotus et à la bergamote, et franchement un vrai coup de cœur celle-ci, et bien évidemment je la rachèterai. Donc voilà, ensuite de la marque Nature et Moi, j'ai terminé un shampoing pour les cheveux colorés à l'extrait de groseille bio d'Ardèche et d'huile de pépin de raisin bio. Donc, comment dire, je rachèterai pas en fait. Autant j'aime beaucoup les gels douches de cette marque, mais les shampoings, j'aime bien les odeurs, mais en fait, ils me font régresser les cheveux super rapidement. Donc, non, je rachèterai pas. Voilà, ensuite un petit soin de soin visage, en fait un nettoyant visage de la marque Bella Pierre que j'avais acheté sur le site Beauté Privée je crois, ouais un truc comme ça. En fait c'est marqué que c'était à l'extrait, enfin alors 24 carats, en fait c'était un lait nettoyant purifiant infusé avec de l'or 24 carats, donc voilà, non testé sur les animaux. Écoutez, franchement j'ai pas vu de changement en fait avec ce lait nettoyant, franchement sans plus je le rachèterai pas non plus. Voilà, ensuite j'ai terminé un petit gel douche de chez Lush, The Comforter. Donc c'était un gel douche au cassis et il sentait vraiment super bon, ça sentait un petit peu le bonbon en fait, au cassis, et j'avais pris le 100 grammes parce que bon, quand je connais pas trop je préfère commencer par les petits formats, c'est mieux, et du coup oui pourquoi pas le racheter celui-ci. Voilà, ensuite j'ai terminé de la marque Indemne l'eau de génie. Donc je sais pas si vous connaissez, en fait c'est un soin, on va dire une lotion nettoyante, le soin aux quatre esprits, le nouveau souffle de toutes les peaux. C'est pour tout type de peau, c'est bio et vegan et cruelty free. Maintenant ils ont le logo vegan et cruelty free, donc j'aime beaucoup ces produits, mais je le rachèterai pas, je préfère tester d'autres produits. Il était pas mal, mais je préférerais essayer d'autres produits de la marque, donc voilà, on verra par la suite
par la suite. Donc voilà, ensuite j'ai terminé un petit échantillon en fait que j'avais eu dans une commande sur le site Precious Life. Et c'est un échantillon de la marque PHB Ethical Beauty. Donc c'était une crème visage en fait à l'argan et à l'immortel. Alors franchement cette crème elle sentait vraiment super bon. Bah, j'ai retenu que l'odeur parce que bon c'est pas en un échantillon qu'on peut voir s'il y a des effets ou pas. Donc l'odeur franchement était vraiment super bien. Petit soin pour le corps, en fait c'était une crème fondante de la Fée Morgane, en fait de la marque Le Jardin de Lilith. Et alors franchement ça, l'odeur c'était comme une mousse en fait avec une odeur de noix de coco. Mais vous savez la glace à la noix de coco, franchement ça sentait exactement ça. Franchement j'avais vraiment envie de le manger le truc. Alors oui franchement je le rachèterais. Je vais regarder s'il n'y a pas un plus grand format parce que là c'était en 50 ml et franchement en 4 fois je crois je l'ai terminé. Donc oui je le rachèterais. Voilà. C'était une édition de Noël, je crois, à la cannelle, ouais, cinnamon, c'est cannelle et à l'orange. Alors, au début, je me suis dit, l'odeur, ça doit être beauf. Mais en fait, ça sent vraiment super bon, ça sent le pain d'épices. Et donc, franchement, c'était super agréable. Par contre je la rachèterai pas car j'ai mes odeurs chouchoutes en fait de la marque. Donc vous le savez depuis le temps que je vous en parle. Donc du coup non je pense pas que je rachèterai. Voilà. Ensuite j'ai terminé le mascara Better Than Sex de chez Too Faced. Donc franchement c'était mon mascara chouchou. Franchement celui-ci je l'adorais. Mais depuis qu'ils ont été rachetés en fait par le groupe Estée Lauder, j'ai décidé de plus acheter de maquillage Too Faced. Franchement je suis vraiment trop dégoûtée. Vous pouvez pas savoir à quel point quand j'ai appris la nouvelle, franchement j'étais dégoûtée. Franchement s'il n'y avait pas eu ça, franchement je l'aurais racheté directement. Mais du coup j'essaye maintenant d'autres alternatives plus vegan et cruelty free. Même si Too Faced reste cruelty free. Du coup vu qu'ils ont été rachetés par Estée Lauder qui eux testent, du coup j'ai pas trop envie de donner on va dire mon argent à cette société. Voilà. Et ensuite pour terminer une petite crème visage que je vous ai présentée dans ma vidéo soin du visage, c'était une crème de la marque Feitin Nature. Donc elle était à quoi, je vous avais dit au Ginkgo Biloba. Donc oui c'était une plante je vous avais dit. Et du coup elle était vraiment pas mal cette crème. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, j'aime bien tester des nouveautés. Donc du coup celle-ci je la rachèterai pas. Donc voilà. Écoutez, ça y est, j'ai terminé pour cette vidéo produit fini. Je vais pouvoir tout mettre à la poubelle, je suis super contente. Donc voilà, si vous avez testé certains produits, n'hésitez pas à me donner votre avis, c'est toujours sympa. En attendant de vous retrouver, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous à tous.